revient avec la meilleure recette de poulet pané. Alors, c'est parti, on aura besoin de poulet. Donc, soit vous achetez des pilons et des ailes directement, ou vous achetez un poulet entier et vous le faites découper en petits comme moi. Ensuite, pour les épices, on aura besoin de sel, de poivre, de coriandre, d'épices poulet rôti, c'est pas obligatoire, de piment en poudre, de paprika. On aura également besoin de curcuma, d'ail en poudre, de maïzena. On aura besoin de farine. Voilà. Et on aura besoin de 2 ou 3 œufs pour frire à la fin, pour paner nos pièces de poulet. Alors là, j'ai nettoyé mon poulet, je l'ai mis dans un bol et j'ai mis toutes les épices que je vous ai montrées. Donc, il y a l'ail, le piment doux, le poivre. J'ai mis aussi de la coriandre, une épice poulet rôti, mais ce n'est pas obligatoire. Du paprika et du sel. Alors moi j'ai mis beaucoup d'ail parce que ça donne beaucoup de goût au poulet. Donc là on va tout mélanger et on va laisser reposer 24 heures et demain on va venir paner nos poulets. Alors là j'ai rajouté aussi un peu de mon okos. Donc c'est un mélange de persil plat, de persil frisé, de sauce soja et de piment vert que je mixe et que je mets dans toutes mes préparations. Ça rajoute un bon goût mais c'est vraiment pas obligatoire. Rien qu'avec les épices qu'on a mélangées. Ça devrait être bon. Donc là, une fois que j'aurai fini de mélanger, je vais filmer le tout et je vais garder ça au frais jusqu'à demain. Alors là, ça fait 24 heures que nos pièces de poulet marinent au frigo. Donc la marinade, elle a bien pénétré dans le poulet. Ça sent super bon en ce moment. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer nos pièces de poulet dans cette petite marmite et on va les pré-cuire environ 30 à 40 minutes pour que ben, quand on va paner les pièces, elles soient déjà bien cuites à l'intérieur. Du coup, pour pré-cuire, on met les pièces, on met un tout petit peu d'eau, l'équivalent de la moitié d'un verre d'eau, on ferme hermétiquement et on laisse comme ça environ une demi-heure. Alors là, mes pièces de poulet ont fini de pré-cuire. J'ai juste mis à pré-cuire les cuisses parce que le blanc de poulet, ça cuit relativement rapidement, donc c'était pas la peine. Donc là, on va préparer tout ce qu'il faut pour paner. Donc là, j'ai cassé 3 œufs et j'ai mis du sel et du poivre. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez pour donner du goût, du paprika, de la coriandre, du piment doux. Voilà. Là, du coup, j'ai tout mélangé et j'ai rajouté un peu de sauce soja pour que ça donne un meilleur goût. C'est pour ça que ça a cette couleur-là. Du coup, si vous avez plus de pièces de poulet, vous pouvez mettre beaucoup plus d'œufs. C'est juste que j'en ai pas beaucoup. Du coup, j'ai mis 3 œufs. Mais sinon, si vous avez 2 poulets, par exemple, vous pouvez rajouter, mettre 5 ou 6. Alors, pour paner, je vais utiliser de la farine et de la maïzena. Alors, je vais mettre autant de farine que de maïzena. C'est-à-dire que si vous mettez 300 g de farine, vous rajoutez également 250 à 300 g de maïzena. Donc voilà, et après on va assaisonner la farine avec toutes les épices qu'on avait mis dans le poulet, donc tout ce qui est ail en poudre, coriandre, paprika, curcuma. Alors là, j'ai mis dans un sac de congélation 300 g de farine et 300 g de maïzena et j'ai assaisonné le tout avec mon épice poulet rôti qui a un peu le goût de cube, avec du poivre, du paprika, j'ai mis aussi de la coriandre, du piment doux, du curcuma, de l'ail en poudre et du sel. Il ne faut pas oublier de mettre assez de sel, sinon votre chapelure, elle n'aura pas de goût du tout. Donc là, je vais refermer mon sachet et je vais tout mélanger. Alors là, j'ai mis l'huile à chauffer et on va commencer à paner. Du coup, vous trempez votre pièce dans le mélange d'œufs, puis vous le mettez dans le sac de congélation là où il y a le mélange farine maïzena. Vous recouvrez bien. Voilà. Alors vous pouvez faire un tour ou deux. Vous pouvez décider de remettre les pièces dans les œufs et de les paner à nouveau pour que ce soit beaucoup plus croustillant, mais moi j'aime bien faire un seul tour.
Alors voilà le rendu final de notre poulet. Il est important de le mettre sur une grille en fait pour que ça reste croustillant. Donc c'est pour ça que j'ai mis une grille et j'ai mis un plateau en dessous. Du coup voilà, il est super doré, super croustillant. Il a super super bon goût parce que la marinade a bien pénétré. Bon appétit la team! Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Gros bisous!